Bonjour, je m'appelle Pierre Mallet, j'ai 37 ans, je travaille chez Neo9 depuis bientôt 9 ans. Je suis tech lead search sur la partie catalogue, je suis marié et père de quatre enfants. J'ai rejoint Neo9 donc, il y a 9 ans, je partais du monde de l'édition logicielle dans le monde de l'immobilier, j'étais sur une stack assez vieillissante, PHP, MySQL, je voulais passer sur de full stack. Uh, JS, et donc il y avait cette opportunité chez Neoneuf, donc j'ai rencontré Guillaume, uh, le directeur uh, général actuel, et uh, le contact est très bien passé, et surtout j'ai senti que Neo9 serait un lieu où je pourrais grandir, on n'attendait pas de moi que je sois parfait, que je connaisse tout, mais uh, uniquement que je sois prêt à apprendre, uh, à faire les efforts nécessaires, et à garder une, une bonne volonté constante. C'est ce, ce, ce relationnel en particulier qui m'a fait choisir Neo9 en 9 ans, euh, donc je suis passé d'un poste de... quand je suis entré chez Neo9, j'ai eu un poste de développeur front-end, utiliser sur un, le framework AngularJS. J'ai fait ça pendant 2-3 ans euh, pour un grand compte du monde de la science. Et ensuite il y a eu un virage euh, avec le projet Pixmania où on devait, Neo9 a été en charge de la refonte de, du site de la plateforme marketplace. De Pixmania, et c'est là où j'ai eu mon premier poste de, de lead full stack. Donc, on avait des backends dans Node.js, le front en Angular.js et un moteur de recherche euh, custom euh, fondé sur Elasticsearch. Donc, ce, ce projet Pixmania a duré euh, pendant. Deux ans environ, et ensuite, petit à petit, je me suis spécialisé sur l'utilisation d'Elasticsearch euh, dans le but de créer des moteurs de recherche custom pour nos différents clients. J'ai eu un petit intermède où j'ai quitté Neo9 pour aller dans le monde d'édition du moteur de recherche. Je suis, je suis depuis revenu et j'occupe du coup maintenant le poste de responsable moteur de recherche au sein du, de l'équipe produit euh, catalogue euh, Neo9. Ce qui me plaît chez Neo9, ce qui me fait rester, euh, c'est aussi très proche de ce qui m'a fait venir, c'est le côté technophile de notre société. Donc on cherche à utiliser des outils performants, les bons outils pour les bons usages et en même temps, il y a une culture qui fait que la technologie, la technique, c'est pas tout. Il y a un équilibre entre les besoins du client, l'écoute, la compréhension des besoins, la réalité du marché, la réalité d'un budget, la réalité d'un time to market qu'il faut respecter et du coup comment utiliser la technique pour répondre aux besoins du client et donc du coup ça fait que l'aventure chez Neon 9 c'est pas uniquement technique il y a un côté humain qui est très important et c'est cet équilibre euh, qu'on ne trouve pas partout euh, qui me plaît particulièrement dans cette société